Vagabond d'Olivier Michel. Donc, la librairie est située dans le 18e arrondissement de Paris, au 43 rue du Poteau pour la librairie jeunesse et au 44 pour la librairie dite adulte. Nous avons créé cette librairie en 1995 et la librairie jeunesse en 2005, je crois. Je ne suis plus sûr. Ah, c'était un 1er avril en tout cas. Voilà. Que vous dire de plus? Vous étiez libraire auparavant? Ouais, moi je suis libraire depuis 30 ans. J'ai travaillé dans plusieurs librairies, soit indépendantes, soit des librairies de chaîne qui appartiennent à des éditeurs. On a monté cette librairie à deux. Maintenant nous sommes 6 sur les 2 librairies. 6 libraires, dont 2 gérants et un apprenti INFL. Voilà, ça marche bien, on est content. On a à peu près en moyenne 20 000 volumes, en moyenne. Donc ça dépense entre 15 et 25 000 selon les saisons, Noël et mois d'août, il y en a moins. Le fait d'avoir ouvert une librairie jeunesse pour nous est un événement qui était assez important, ce qui nous a permis d'ouvrir un peu l'espace de la librairie première à d'autres domaines un peu plus précis. Donc on a un petit peu accentué le domaine du théâtre, de la poésie et des sciences humaines, ce qui est intéressant justement pour votre sujet, puisque ça nous a amené aussi à travailler un petit peu plus avec les éditeurs indépendants sur des domaines assez pointus et de petits tirages, soit dans les sciences humaines, aussi bien qu'en poésie et théâtre. Et la librairie jeunesse, de ce côté-là, a été un apport assez important aussi. Mais Aurélie vous en parlera à mon avis beaucoup mieux que moi, parce qu'elle y travaille maintenant depuis 5 ans, je crois. Ouais. Oui, de toute façon, Camille Gadelin, qui travaille avec nous depuis quelques mois, depuis le mois de juin, travaille aussi beaucoup sur les animations. Je vais te laisser en parler, mais simplement dire que les animations, on n'en a pas fait au départ, pour une raison très simple, c'est que c'était pour nous un petit peu compliqué à mettre en place, parce qu'on voulait y voir beaucoup, mais c'était difficile de faire bien les animations par le manque de temps et de personnes soit engagé dans le processus de l'animation et de la rencontre. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a un peu plus de 4 ans, avec une certaine régularité, et surtout c'est un travail d'équipe d'animation, on ne le fait pas tout seul, et maintenant Camille travaille là-dessus avec moi, enfin peut-être que c'est peut-être plutôt moi l'inverse, moi qui vais travailler avec Camille, qui va peut-être en faire plus, et Camille bosse aussi là-dessus, sur ses projets avec Aurélie qui galope là-bas. Voilà. Donc moi j'ai rejoint l'équipe de l'Humeur Vagabonde il y a quelques mois et on s'occupe tous un peu de tout et effectivement on me penche un peu sur les rencontres, on essaye d'en avoir une par mois à peu près. Ouais, en moyenne c'est ça. En moyenne, là on approche des fêtes et finalement on a un rythme un peu plus soutenu donc on en a une à deux par semaine jusqu'à la fin novembre. Mais oui effectivement on essaye plutôt d'en avoir une par mois histoire de bien préparer les choses, d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les auteurs qu'on reçoit et pouvoir être tous prêts d'attaque pour faire la chose bien. Alors là, on a le 15 novembre, on reçoit Paul Fournel pour Jason Murphy chez POL. La semaine d'après, le 22 novembre, on a Philippe Jainada pour Sulac chez Julliard. Et le 23 novembre, le samedi matin, on a notre atelier Carimo avec les éditions Nemo. Et le 29 novembre, on reçoit Calu. Pour son dernier livre, New York, aux éditions des Arènes. Dans le cadre de La Voix des Indés, on a décidé de mettre en avant un éditeur indépendant Mémo, parce qu'on aime beaucoup leur catalogue. Justement, en tant qu'éditeur indépendant, ils proposent des illustrateurs, des textes, et même des formats, des papiers aussi, qui sont très beaux, et qui changent un petit peu de tout ce qu'on peut trouver chez d'autres éditeurs un peu plus faciles et grand public, on va dire. Et donc on a eu envie de travailler sur un album, et en l'occurrence Carimo. Donc on fait un atelier autour de cet album-là, à partir de 3 ans, le 23 novembre, à 11h le samedi. Voilà, donc toutes les deux on va animer cet atelier-là, sur du découpage, puisque le principe de l'album c'est que c'est un caribou qui dit qu'il aimerait bien que d'autres animaux soient aussi carrés que lui. Voilà, donc c'est le quart-tigre. Le carillon,
le carroc, la caroule, donc ça peut aller très loin. Et justement, dans l'imagination des enfants, on veut leur faire... fabriquer des animaux à base de carrés. Voilà, on va jouer autour de ça avec du carton plume, des gommettes. On va faire une vitrine autour de ça. Ça nous fait aussi mettre en avant l'éditeur. Mais, on en profite aussi parce que c'est les 20 ans du catalogue des éditions Memo cette année. Donc on met en avant effectivement cet auteur, Gay Wigriff, une partie du catalogue aussi pour bien présenter leur travail. Là, la vitrine, donc c'est dans l'atelier, on le fait dans 2 semaines et demie, c'est ça à peu près. On va faire, on attend en fait tous les livres là, mais on va faire la vitrine cette semaine, essayer de mettre bien en avant justement ça. En plus, c'est des albums souvent très colorés, donc en jeunesse, c'est facile de faire du coloré. Mais une exposition aussi qui va avec, donc essayer de bien mettre en avant ça et de bien communiquer, même nous à l'intérieur de la librairie. Les gens aiment bien poser des questions sur ce qui se passe dans la vitrine. C'est sur inscription, comme ça on sait où on va au niveau des places. Comme on est deux à animer l'atelier, c'est toujours plus simple de voir. Il y a une telle production quand même, quel que soit le rayon de la librairie, mais en jeunesse aussi. Donc il y a une production tellement énorme que mettre l'accent sur un éditeur, c'est intéressant aussi parce que ça nous permet de remettre en avant des albums qu'on aime mais qui malheureusement avec tout ce qui se passe parfois passent en second plan parce qu'il y a plein de nouveautés, etc. Ils sont un peu oubliés même. Donc nous, là parfois, ça nous permet aussi de se réapproprier des albums qu'on aime beaucoup et qu'on met pas tous les jours en avant parce que il se passe plein de choses.